Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le directeur, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères, séminaristes, bien chers fidèles, en ce jour du carême, quatrième dimanche, dimanche létare, la liturgie nous invite à nous réjouir en anticipant la joie de Pâques, de notre appartenance à l'Église et de toutes les merveilles qui s'accomplissent dans l'Église. N'oublions pas, chers séminaristes, que vous allez entrer dans une société sacerdotale approuvée par l'Église dès le début. Dès le début du séminaire à Fribourg, l'évêque local a approuvé cette œuvre. Et ensuite, on a approuvé les statuts de cette fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Monseigneur Lefebvre nous disait, désormais, cette œuvre est d'Église. Il fallait que cette œuvre fût d'Église pour avoir les grâces de l'Église. Les grâces dont nous avons un exemple si magnifique dans le miracle de la multiplication des pains qui vient d'être chanté. Des foules innombrables suivaient Jésus avec la faim d'entendre la parole de Dieu. Et le soir se faisait. Alors notre Seigneur dit à ses disciples, renvoyez-les maintenant, il est trop tard, sinon après ils vont pas. Ou bien alors, nourrissons-les. Voilà, il faut leur faire manger, sinon ils vont pas pouvoir rester courageux, vivants. Et les apôtres objectent, mais il faudrait 500 deniers de pain, et encore, ça ne suffirait pas pour nourrir cette foule. Alors, un apôtre, je crois que c'est Philippe, s'approche et dit au Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 petits poissons. Pourquoi il dit cela? Il avait apporté le pique-nique de la famille. C'est tout. Et c'est un détail insignifiant. En principe, peut-être qu'il y en avait d'autres qui avaient apporté leur pique-nique, je ne sais pas. Et le Seigneur dit, faites asseoir les gens. Et tous s'assoient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, eh bien, il fait approcher l'enfant. Viens, viens. Et il prend la corbeille, les pains, les bénit, et les fait distribuer par ses disciples. Et ensuite, les petits poissons aussi. Et tous en eurent à se rassasier. Si bien qu'à la fin, on rapporta les morceaux qui restaient et on pouvait remplir 5 corbeilles, des morceaux, des 5 pains et des 2 petits poissons qu'il y avait au début. Voilà, les miracles qui s'accomplissent dans l'Église, qui nous montrent la disproportion totale entre nos moyens humains, de prêtres, nous, de simples prêtres catholiques, et le résultat qui dépasse infiniment notre action. Et ça, dans l'Église. Parce qu'il y a une grâce spéciale dans l'Église catholique. Je vous cite Saint François Xavier, portugais, ou plutôt espagnol et envoyé par le roi de Portugal, donc il parlait très mal portugais, mais enfin quand même, en Inde, bien. Il arrive en Inde, il ne parlait aucune des langues, surtout pas le tamoul, qui est très difficile. Le sud de l'Inde, c'est le tamoul. C'est très difficile. Alors on dit qu'il était inspiré, qu'il parlait tamoul. Non, pas du tout. Les vrais biographes
disent qu'ils ne parlaient pas un seul mot de tamoul. Ils trouvent le moyen, un tout petit moyen. Ils demandent à un indigène, eh bien, traduisons ensemble le Notre Père. Bon. Dans votre langue. Et alors, il note en lettres européennes, dans sa langue portugaise. Ensuite, traduisons le Je vous salue Marie. On traduit le Je vous salue Marie. Ensuite, traduisons le Je crois en Dieu, le Credo. On traduit le Credo. Ensuite, traduisons le Je confesse à Dieu. Voilà, paf. Ensuite, traduisons les actes de foi, d'espérance et de charité en tamoul. Donc, en lettres portugaises. Et ensuite, il les apprend par cœur. Voilà. Travail. Un homme de travail. Il apprend par cœur. Et ensuite, eh bien, il avait non seulement ses prières, mais un vocabulaire élémentaire pour parler de Dieu, de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge. Et encore Dieu, ils avaient fait une erreur terrible. Ils avaient traduit Dieu par le nirvana, c'est-à-dire le néant ou la matière première. Or, c'est le contraire. C'est le bon Dieu qui a créé la matière première. Bon. La matière première ne crée rien. C'était une erreur très grave. Si bien qu'à la fin, il a dit, disons, Deus. Voilà. Si bien, parce que c'est comme ça qu'on dit en portugais, Deus. Et alors, en Inde, maintenant, c'est Deus aussi. Et voilà. Donc, par des moyens très simples, il réussit à prêcher. Bon. C'était des sermons très chaotiques que les auditeurs entendaient parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils connaissaient que cet homme était un saint, parce que cet homme se dévouait à eux, cet homme faisait des mortifications, faisait pénitence pour leurs péchés. C'est surtout pour ça qu'il a pu convertir et baptiser de sa main des milliers d'Indiens. Il en baptisait du reste trop. Mais il disait non, non, il faut en baptiser beaucoup dès le début pour qu'il fasse bloc et résiste au paganisme, à l'hindouisme. Il en faut beaucoup pour résister. Il avait une intelligence de l'esprit missionnaire. Autre exemple de cette disproportion entre les moyens du prêtre et le résultat. Marcel Lefebvre, voilà, bon, nommé archevêque de Dakar, hein, supérieur général de Pierre du Saint-Esprit, bon, quand il prêche, la parole de foi, dit-il, c'est tout. La parole de foi. Je prêche ce qu'il faut croire. Il nous disait ça. Les fidèles attendent de vous la foi. Dans le baptême, le rituel du baptême, que demandez-vous de l'Église de Dieu? Demande le prêtre au petit baptisé par ses parrains. Et il répond, la foi. Voilà. Alors, il faut prêcher la foi. C'est-à-dire tout le domaine surnaturel, tous les mystères qu'on ne voit pas, le mystère de Dieu, la Sainte Trinité, la rédemption, l'incarnation d'abord, la rédemption, la médiation universelle de Jésus et de sa Sainte Maman, la très Sainte Vierge Marie. Voilà. Et Monseigneur Lefebvre, toute sa vie, les deux, au moins nous étions témoin, les 20 dernières années de sa vie, il n'a fait que prêcher la foi. Et tout le monde entendait. Et maintenant, beaucoup de fidèles qui ne l'ont pas connu écoutent les disques de l'enregistrement de ses sermons et se convertissent à la tradition. Rien qu'à l'entendre, le son de sa voix, souvent dramatique, mais jamais agressif contre les ennemis de l'Église. Charitable, mais désignant les erreurs,
toujours avec cette petite phrase admirable, on est bien obligé de constater que, c'est tout. Alors il disait, on est bien obligé de constater que ce pape, Paul VI, est un libéral, pas plus. On est bien obligé de constater que cette première encyclique de Jean-Paul II, Redemptor Hominis, n'est pas catholique, parce qu'il n'y a pas un mot sur le baptême. La rédemption, et on ne parle pas du baptême. Ensuite, on est bien obligé de constater que ce code de droit canon que Jean-Paul II vient de publier, c'était en 83, eh bien, contient des erreurs très graves, l'intercommunion, etc. Bon. Voilà, les petits moyens, la parole d'un évêque, un seul, avec sa résonance dans le monde entier, a suffi pour attirer des vocations sacerdotales, religieuses, et rebâtir à notre petit niveau une chrétienté nouvelle, une chrétienté. C'est la grâce de Dieu. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est pareil, toute proportion gardée. Jésus, le jeudi saint, la veille de sa passion, où il va mourir sur la croix pour s'immoler de façon sanglante en rémission de nos péchés. Bon, la veille, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du pain et du vin. C'est tout. Bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, de ce pain, il en fait son corps, et de ce vin, il en fait son sang. Il est là, présent. D'abord le pain, de ce côté-là, et le pain, de ce côté, et le vin, de ce côté-là, séparés, pour signifier la séparation cruelle et sanglante qu'il devait subir le lendemain sur la croix. Et ça suffit pour faire le saint sacrifice de la messe. Le sacrement de la passion de Jésus-Christ, comme le dit saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Un sacrifice sacramentel, mais un vrai sacrifice, avec la présence de la victime et du grand prêtre, il est là, présent, en état de victime, figuré en état de victime, et exerçant son rôle de grand prêtre par la bouche de son ministre, le prêtre, qui prononce alors les paroles de la consécration en la personne de Jésus-Christ. Les petits moyens, une invention, c'est un mot inapproprié, mes chers fidèles, de la sagesse divine pour nous donner son sacrifice chaque jour, pour que chaque chrétien de chaque époque puisse avoir accès au sacrifice de la croix par ce sacrement de l'Eucharistie, par ce rite sacramentel du sacrement de l'Eucharistie qui est la messe, et ensuite bien sûr par la sainte communion à son corps et à son sang sous l'apparence de l'hostie. Alors, admirons que ça se passe dans l'Église. Et remercions le bon Dieu d'être membre de l'Église. L'introïte d'aujourd'hui nous invite à nous réjouir. Réjouissez-vous, vous qui étiez triste, peut-être un peu dans le carême, il faut faire pénitence. Réjouissez-vous, vous qui êtes un peu triste, d'être dans l'Église. Et le graduel dit la même chose. Celui qui est à Jérusalem, dans Jérusalem, c'est-à-dire dans l'Église, eh bien, ne sera pas ébranlé, jamais, jamais ébranlé. Ne sera ébranlé par aucune catastrophe, tentation, épreuve que ce soit.
Remercions donc notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné notre cher fondateur et surtout d'avoir institué ces sacrements qui, à base d'une petite substance matérielle, nous donnent la grâce et même l'auteur de la grâce en personne, Jésus-Christ, pour nourrir nos âmes et pour nous diriger vers la patrie céleste. Et puis il nous a donné aussi sa mère au ciel qui intercède sans cesse avec son divin fils, auprès de son divin fils, et qui est présente spirituellement près de l'autel à chaque fois que le prêtre offre le saint sacrifice de la messe. Profitons des richesses de notre sainte Église catholique, bien chers fidèles, pour nous sanctifier et nous préparer à aller au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.